Bonjour à tous, voilà la dernière vidéo sur les puissances de nombres. On va parler de l'écriture scientifique des nombres. Alors qu'est-ce que c'est qu'une écriture scientifique? Le mieux c'est de vous le montrer sur un exemple, hein. Vous aurez dans la leçon la définition exacte. Mais une écriture scientifique c'est tout simplement un nombre avec un seul chiffre avant la virgule, un seul chiffre non nul, d'accord, multiplié par une puissance de 10. Et comme ça doit être égal à ce nombre qui est là, eh bien le nombre qui a un seul chiffre avant la virgule, on va le lire dans le nombre qui est ici. Ça va être 1,27. 1,27, ça va être le nombre qui a un seul chiffre non nul avant la virgule, un chiffre d'unité non nul, qu'on va multiplier par une puissance de 10. De sorte que la puissance de 10 que je multiplie à 1,27, eh bien ça revient à ce nombre qui est là. Le nombre qui est là, il est très grand. Il est très grand, ça veut dire que je vais devoir le multiplier par une grande puissance de 10. Je vais devoir multiplier 1,27 par 10 fois 10 fois 10 fois 10. Oui, mais combien de fois? Si je multiplie seulement par 10, ça me fait 12,7, puisque le nombre grandit. Chaque chiffre va gagner un rang. Et c'est là que c'est important. Le 1 qui est ici, il est le chiffre des unités. Or, dans ce nombre-là, le chiffre des unités, c'est ce 0 qui est là. Et donc, le 1 qui est ici, il va devoir gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. Le 1 qui est ici, qui est mon chiffre des unités, doit gagner 11 rangs. Et comment est-ce que je fais gagner des rangs en multipliant par des puissances de 10? C'est très simple. Quand je multiplie par 10, je gagne un rang. Quand je multiplie par 100, je gagne 2 rangs. Quand je multiplie par 1000, je gagne 3 rangs. Ça, vous l'avez fait en 6e. Mais qu'est-ce que c'est 10, 100 et 1000? Eh bien, c'est 10 exposant 1, c'est 10 exposant 2, 10 exposant 3, etc., etc. Et donc, si je dois gagner 11 rangs, je dois juste multiplier par 10 exposant 11. Et je sais que mon 1, qui est mon chiffre des unités, qui devrait se retrouver ici, eh bien, il va bien gagner mes 11 rangs. Et donc là, j'ai une écriture scientifique. J'ai une écriture scientifique et elle va pouvoir me servir si je veux multiplier, mettons, ces deux nombres. J'aurai juste à multiplier ces deux nombres-là, puisque les puissances de 10, ça va bien ensemble quand on les multiplie. On l'avait déjà remarqué. Prenons ce nombre-là. Alors, quel va être le chiffre non nul avant la virgule? En fait, je vais le lire ici, le nombre que je veux. Ça ne va pas être 78,3, parce que sinon, je n'aurai pas un seul chiffre avant la virgule. Il m'en faut un. Donc, ça va être 7,83. Voilà le nombre de départ qui va être multiplié par une puissance de 10. Alors, quelle va être la puissance de 10 qui va permettre au chiffre 7, finalement, qui est le chiffre des unités, donc par rapport au nombre qui est à gauche, il est ici, le 7, eh bien, il va devoir perdre des rangs. Et comment est-ce que je perds des rangs en multipliant par des puissances de 10? En fait, on perd des rangs quand on divise par 10, quand on divise par 100, quand on divise par 1000, on l'a vu en 6e. Ça revient à multiplier par un dixième, un centième, un millième, multiplier par 0,1, 0,01. Et qu'est-ce que c'est ça? On l'a vu dans la vidéo précédente. Si je veux faire perdre un rang à mon 7, je dois le multiplier par 0,1, c'est-à-dire 1, 0 avant le 1, à gauche du 1, donc 10 exposant moins 1. Mais si je fais 10 exposant moins 1, je me retrouve avec 0,783, et moi je veux tout ça. Donc, remarquons combien de rangs perd le chiffre 7 quand il est dans le chiffre des unités. Eh bien, il perd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Je perds 7 rangs. 10 exposant moins 1, je perds un rang. 10 exposant moins 2, le moins signifie perdre. Je perds 2 rangs. 10 exposant moins 3, je perds 3 rangs, etc. Moi, je perds 7 rangs. Donc, je fais 10 exposant moins 7. Et voilà, normalement, vous êtes censé être capable de trouver des écritures scientifiques